Hi everyone, I'm so sorry. There's some kind of two-factor thing that's stopping the live to go. I tested it yesterday. It went live. Everything went well, and now the two-factor is stopping us. Okay. And there's a delay for some reason that it's saying we have to wait. So I don't know that we can go live on YouTube, No, unfortunately. no, no. So if you're comfortable, I can let everyone in and we can start. Ouais, merci. So 3, 2, 1. Bonjour tout le monde, les gens entrent tranquillement dans la salle du webinaire. Donc, on va attendre quelques secondes encore. Ça monte toujours les inscriptions. Donc, on attend quelques secondes avant de commencer. Attendre que tout le monde y soit. OK, je pense que ça ralentit un petit peu. Alors, allons-y. Alors, bonjour à tous, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre rendez-vous annuel sur la présentation des changements au programme du Fonds des médias du Canada. Je suis Nathalie Clermont, première vice-présidente de stratégie de contenu et développement d'affaires, et je suis accompagnée dans cette présentation aujourd'hui par Mireille Darveau, notre directrice du contenu francophone. Mireille, je te cède la parole pour la reconnaissance territoriale. Absolument. Merci, Nathalie. Donc, au nom du Fonds des médias du Canada, en direct de Tchoutchaguay, Montréal, la présentation de cette mise à jour des principes directeurs se déroule sur les terres non cédées des Premières Nations de la région, notamment la nation Kanien-Karaga ou Mohawk. Cette terre a servi longtemps de lieu de rencontre et d'échange entre de nombreuses Premières Nations, incluant la nation Kanien-Karaga de la Confédération Haudenosaunee, les Wendat, les Abénakis et les Anishinaabeg. Nous saluons et nous remercions les divers peuples qui ont enrichi de leur présence ce territoire ancestral et non cédé, accueillant aujourd'hui des gens de partout dans le monde. Merci, Mireille. Alors, pour commencer, des petites notes d'ordre technique là, pour le bon déroulement de la présentation aujourd'hui. Tout d'abord, la session est enregistrée et va être disponible dans les prochains jours sur notre site Internet. Vous pouvez aussi activer la transcription CART au bas de votre écran, là, le Show Captions, et vous pourrez avoir la transcription automatique à ce moment-là. On va être avec vous pour la prochaine heure, incluant une période de questions à la fin. Pour cette période de questions-là, je vais vous demander d'inscrire vos questions dans la petite section Q&A qui est dans le bas de l'écran. On ne va pas monitorer la section chat, donc n'écrivez pas dans cette section parce qu'on ne la regarde pas du tout. Il y aura une webdiffusion en anglais cet après-midi à 14 heures, si je ne me trompe pas, mais ce sera les mêmes informations qui seront véhiculées, là. Donc, vous n'avez pas assisté aux deux présentations pour avoir toutes les informations nécessaires. Les programmes ont été lancés, comme vous le savez sans doute, le 28 mars dernier, incluant le budget des programmes, les dates de dépôt pour chacun des programmes et les télédiffuseurs ont reçu aussi le montant de leur enveloppe pour 2024-2025. Aujourd'hui, on utilise un peu le modèle du sommaire des changements principaux là, qu'on a publié en même temps que le lancement des programmes. Par contre, je veux juste vous rappeler que ce document-là et la présentation d'aujourd'hui va faire état des principaux changements qui ont été apportés. Il y a quand même d'autres petits ajustements qui ont été faits et dont on ne va pas nécessairement parler aujourd'hui. Donc, il faut vraiment lire les principes directeurs pour avoir toute l'ampleur là, de ce que sont les programmes. Je vous dirais aussi que depuis le lancement le 28 mars, on a fait quelques petites corrections aux principes directeurs, que ce soit des problèmes avec la traduction des coquilles ou des petits ajustements de choses qui n'étaient pas claires. Donc, assurez-vous, quand vous êtes prête à déposer un projet, de bien relire les sections qui sont pertinentes pour vous assurer que vous avez bien la bonne version. Alors, comme vous voyez, l'ordre du jour, on va parler de la mise à jour et comme je le disais, une session de questions-réponses à la fin qui sera
avec lequel on pourra communiquer avec vous, en fait, et je vous donnerai les détails de comment on va fonctionner à ce moment-là. Mais je vous rappelle, pas le chat, mais le Q&A. Cette année, on a fait des changements importants qui sont liés, en fait, à notre désir de vous offrir graduellement un nouveau modèle de programme de financement. C'est aussi un pas initial en vue de la modernisation du FMC et de l'industrie que le gouvernement a annoncé il y a un an ou deux. Donc, tranquillement, on se dirige vers un nouveau modèle. On commence à implanter cette année des changements peut-être plus importants que dans les années précédentes. Donc, j'espère que vous allez nous suivre là-dedans. On pourrait changer la diapo, s'il vous plaît. Au niveau du budget des programmes pour 2024-2025, vous voyez donc à l'écran le détail des programmes et chacun de leurs budgets. On ne va pas aller ligne par ligne à travers ce document-là. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que le budget cette année sera de 357 millions de dollars, ce qui est une baisse très importante, en fait, de notre budget de l'an passé qui a été, à la fin de l'année, de 383 millions, là, j'arrondis évidemment. Donc, il y a vraiment une baisse importante de nos revenus qui, donc, se reflète dans notre budget de programme. Et malheureusement, là, on a dû faire des choix et des arbitrages difficiles pour arriver à tout entrer dans ce budget de 357 millions de dollars-là. En fait, c'est la plus grosse baisse dans notre budget depuis le début, depuis la création du FMC. On n'avait jamais expérimenté une baisse aussi importante, mais bon, je pense que ça reflète la réalité dans laquelle on se trouve en ce moment dans l'industrie, malheureusement. Prochaine diapo. Alors, on va commencer avec la mise à jour. On a fait beaucoup de changements au niveau de la réorganisation des programmes. Prochaine diapo. À partir de maintenant, on ne parlera plus de volet convergent et volet expérimental comme on le fait depuis 2010 quand le Fonds des médias a été créé. Maintenant, on parle de trois nouveaux piliers, en fait, qui sont idéation, création et industrie. Et sous chacun de ces piliers-là, on parle des programmes qui sont regroupés sous contenu linéaire et contenu média numérique interactif. Donc, idéation, là, c'est plus ou moins les étapes de développement ou des projets, création de production et industrie, les différents supports qu'on offre à l'industrie en dehors des programmes en tant que tels, que ce soit le développement sectoriel, les partenariats, les initiatives à l'international et tout autre type d'aide qui ne font pas partie des programmes de financement de projets en tant que tel. Donc, vous voyez un peu ce dont ça a l'air sur notre site Internet. Donc, idéation, création, industrie, avec chacun des programmes pertinents sous ces trois piliers-là. Prochaine diapo. Aussi, on a fait un changement important dans la présentation de nos principes directeurs. En fait, on a créé un module principal, en fait, un pour le contenu linéaire, un pour le contenu MNI, numérique interactif, qui regroupe en fait les règles communes à tous les programmes. Et on a créé des programmes spécifiques, des principes directeurs spécifiques, je devrais dire, qui présentent ce qui est propre à chacun des programmes. Donc, vous n'avez pas à lire à chaque fois les règles du module principal. Vous le lisez une fois, vous êtes au courant des règles qui s'appliquent à tout le monde. Et après ça, vous regardez votre programme spécifique ou les programmes spécifiques auxquels vous voulez accéder via les principes directeurs qui y sont spécifiques. Donc, vous devez lire le module principal, les principes directeurs spécifiques, l'annexe A et l'annexe B. L'annexe A et l'annexe B sont aussi des annexes qui s'appliquent à l'ensemble des programmes. Donc, c'est vraiment la nouvelle façon de regarder pour avoir l'ensemble des règles pour les programmes. Prochaine diapo. Lorsqu'on parle des différents principes directeurs spécifiques, on a débuté l'année dernière regroupement de certains programmes. On l'avait fait pour les
des projets de production régionale. On l'avait fait pour le pré-développement, le développement, dans un but de simplification. Cette année, on a poursuivi notre travail et on a regroupé le pré-développement ainsi que le développement spécifique. Donc, il y a 6 programmes qui se retrouvent sous ce chapeau qui s'appelle financement en développement et pré-développement. Donc, tous ces programmes s'y retrouvent. Lorsqu'on a chaque programme, malgré le fait qu'on ait un seul document, chaque programme maintient son budget qui est distinct, ses propres dates limites et ses critères d'admissibilité. La même chose pour un autre programme, en fait, 2 autres programmes qui ont été regroupés. Les 2 programmes qui ont été regroupés sont la mesure incitative pour la production de langue anglaise en milieu minoritaire, ainsi que le programme pour les projets de langue française en milieu minoritaire. On a regroupé ces 2 programmes sous financement en production destiné aux communautés de langues officielles en situation minoritaire. Donc, encore une fois, les 2 réalités sont bien différentes, donc des budgets, des dates limites ainsi que des critères d'admissibilité existant. On poursuit. On a également, dans ce souci de simplification, fusionné en fait les enveloppes des télédiffuseurs, les enveloppes qu'on avait en développement et les enveloppes qu'on appelait dans le passé enveloppes de rendement sont maintenant sous un même chapeau et on a rebaptisé le tout programme des enveloppes des télédiffuseurs. Donc, ce mécanisme en fait est simplifié. Chaque télédiffuseur a maintenant qu'une seule enveloppe qui combine les 2 possibilités d'activité et pour s'assurer qu'il y a qu'on maintienne un niveau important ou en tout cas un niveau toujours d'activité de développement, on a également ajouté un facteur de rendement pour le calcul des enveloppes des télédiffuseurs, les calculs futurs. Donc, les télédiffuseurs qui auront des activités de développement auront une genre de bonification, en tout cas auront une récompense en quelque sorte pour la bonification de leurs enveloppes futures. C'est un des nombreux facteurs qui ont été ajoutés et puis on vous invite là, à regarder au niveau du guide, du manuel là, des enveloppes de télédiffuseurs si vous êtes intéressé à connaître ces changements en détail. On peut poursuivre. On a également, vous l'avez certainement vu, certains programmes ne seront pas offerts cette année. Il y a 4 programmes, en fait, qui ne seront pas offerts. Il y a un programme qui était pour les partenariats avec les accélérateurs, qui était pour les médias numériques interactifs, anciennement le volet expérimental. On a également les séries numériques linéaires qui ne sont pas, en fait, le programme n'est pas offert, mais on veut valoriser peut-être par l'entremise de partenariats, la possibilité, notre but, ce n'est pas d'éliminer, mais de revoir un peu la façon de soutenir là, ces séries numériques en production. On a également le programme Si tu me permets aussi, oui. Pour ces séries numériques linéaires-là, les télédiffuseurs peuvent tout à fait déclencher ce type de projet via leur enveloppe ou dans d'autres programmes. Donc, c'est pas qu'on élimine notre soutien aux séries numériques linéaires, c'est le programme en tant que tel qui était libellé spécifiquement pour elles que nous éliminons, en fait. Mais l'accès à ces projets-là est toujours possible au sein du FMC. Absolument. Et on a également, en fait, on n'offre pas le soutien, le programme de soutien aux premières étapes de développement, ainsi que le programme de doublage de sous-titrage. Mais il y aura dans la prochaine semaine, il y aura plus d'informations sur notre programme de soutien de développement de l'industrie. Et puis, il y aura certainement des éléments qui seront offerts là, pour supporter certains de ces programmes. Et dans nos politiques et programmes, dans les changements, vous allez voir, on a des actions qui ont été posées pour vraiment accompagner différemment finalement les clientèles ou les dépenses en fait qui étaient regroupées dans ces 4 programmes non offerts. On peut poursuivre. Donc, on a également un souci d'être plus flexible et d'avoir une certaine flexibilité pour les projets menés par les Autochtones. Donc, en fait, il y a des mesures qui sont spécifiques, non pas seulement aux programmes autochtones, mais à tous les programmes pour les producteurs qui sont des producteurs
admissible, qui serait admissible comme producteur autochtone. Les deux premières flexibilités sont liées aux communautés, aux producteurs qui seraient dans la région circumpolaire. Donc, ces producteurs basés là-bas pourront avoir une exception au niveau de l'échelle des points d'exigence fondamentale 1. Normalement, on exige que le maximum de points soit accordé à des postes occupés par des Canadiens. Dans le cas de ces producteurs qui sont en région circumpolaire, on n'acceptera que des points soient accordés à des non-Canadiens qui sont dans ces régions-là tant qu'il s'agit en fait d'une minorité. La majorité devra quand même être occupée par des Canadiens et Canadiennes. Bien sûr, on demande quand même aux producteurs qui choisiront ou en tout cas qui sont situés dans ces régions-là de vérifier au niveau de l'accès au crédit d'impôt dans leurs différentes provinces, territoires ou même dans leur donc de regarder en fait au niveau fédéral également. Il y a aussi de la flexibilité liée à l'exigence seuil. On a des déclencheurs admissibles qui sont reconnus déjà depuis longtemps. Et les télédiffuseurs non canadiens ne sont pas normalement reconnus, mais dans ces circonstances-là, dans la région circumpolaire, on pourrait accorder un déclencheur qui serait non canadien de cette région. Cette obligation-là, c'est pas une obligation, en fait, cette possibilité-là n'enlève pas, par contre, la nécessité d'avoir une diffusion ou une mise à disposition dans les 18 mois de la livraison d'un projet. Et puis, il peut y avoir aussi des combinaisons avec des télédiffuseurs canadiens, ainsi qu'on verra un petit peu plus tard, on a élargi certains déclencheurs et on vous en parlera un peu plus tard. On peut poursuivre. En fait, donc, un peu. Oh, vas-y, oui, excuse-moi. Vas-y, vas-y, Nathalie. Non. Je pensais qu'on était rendu à la prochaine. Vas-y. Pas tout à fait. Donc, on est toujours en fait pour des flexibilités pour les producteurs autochtones. Dans ce cas-ci, c'est tous les requérants autochtones, peu importe où ils se situent. Là, c'est que ce soit dans la région circumpolaire ou au sud, plus au sud. Donc, au niveau du genre, on voulait permettre à ces communautés-là de pouvoir refléter leur réalité dans leur documentaire. Et certains genres ne sont pas admissibles en documentaire. Donc, pour ces raisons, un peu plus de flexibilité pour les émissions pratico-pratiques pour pouvoir refléter des éléments culturels de leur communauté, soit par la gastronomie, ça peut être la danse, des langues, différents éléments qui pourraient en fait faire l'objet là, d'un documentaire reconnu dans ces cas d'exception là qui sont vraiment spécifiques. On peut poursuivre et Nathalie va vous parler des fameux déclencheurs. Exactement, nous y voilà. Donc, ça, c'est un des changements vraiment importants et dont on est très content en fait pour cette année, c'est d'élargir qui sont les déclencheurs admissibles au FMC. Donc, à partir de maintenant, les distributeurs détenus et contrôlés par des Canadiens et des Canadiennes peuvent dorénavant contribuer à l'atteinte de l'exigence seuil minimale, en autant qu'un diffuseur canadien soit aussi, fasse aussi partie, en fait, de cette exigence seuil-là. Cette flexibilité-là s'applique pour cette année, à tout le moins, en production seulement. Donc, ce n'est pas le cas pour le développement. Le développement doit être déclenché avec l'exigence seuil par un télédiffuseur admissible seulement. Si un diffuseur offre des fonds provenant de son enveloppe, le télédiffuseur doit mettre la part la plus importante de l'exigence seuil. Par ailleurs, s'il n'y a pas de fonds provenant de l'enveloppe, je ne sais pas moi, de l'argent dans un programme POV sans enveloppe, bien à ce moment-là, il n'y a pas de règle quant à la répartition de l'atteinte de l'exigence seuil entre le télédiffuseur et le distributeur canadien. La contribution des distributeurs qui permet en fait l'atteinte de l'exigence seuil peut uniquement couvrir les frais de l'exploitation à l'international. Ça n'empêche pas un distributeur de prendre les droits canadiens s'il le souhaite, mais cette portion-là ne peut pas compter dans l'atteinte de l'exigence seuil. Donc, je pense que c'est un changement important. C'est le début cette année de cet élargissement des déclencheurs. Donc, on commence comme ça cette année avec les distributeurs. Pour la prochaine diapo, en fait, l'ensemble des mesures de flexibilité qui étaient liées à la COVID sont éliminées
pour la grande majorité en 2024-2025. Merci, on est passé à d'autres choses et on n'a plus à parler trop de cette pandémie. Par contre, il y a certaines mesures qui demeurent pour cette année. Donc, la marge de manœuvre de 100% de flexibilité qui est offerte aux diffuseurs ou qui était offerte aux diffuseurs pour contribuer à des projets dans n'importe quel des quatre genres admissibles au FMC, ça demeure. Une autre exception qui demeure, mais qui devient permanente, celle-ci, c'est que pour les devis inférieurs à 250 000 $, il est plus nécessaire de déposer une certification notariée à la fin de la production. Vous êtes libre de le faire sans cette certification notariée-là lorsque vous déposez en phase 2. Prochaine diapositive. Où on va parler, en fait, de la section d'équité, de diversité et d'inclusion et d'accessibilité. Au niveau du positionnement narratif dans les grilles d'évaluation des programmes sélectifs, dans le passé, depuis les quelques dernières années, le positionnement narratif était un critère qui était évalué à part, en fait, c'est son propre critère avec ses propres points. Dorénavant, ce qu'on va regarder pour le positionnement narratif, ça sera au niveau de l'équipe et quelle est la relation, en fait, de l'équipe avec le sujet qui est abordé dans le projet. Et donc, on va pouvoir évaluer, en fait, de façon plus objective que subjective via les mesures que vous allez nous proposer de mettre en place pour vous assurer, en fait, de créer du contenu responsable et réfléchi, que ce soit par des activités d'engagement auprès des communautés ou des activités de durabilité. Donc, on va évaluer la relation de l'équipe avec son positionnement narratif par rapport au sujet qui est abordé puis aux histoires qui sont racontées dans les projets qui seront déposés. Dans la section des éléments créatifs, on prendra aussi dorénavant compte si le projet ajoute une dimension culturelle puis une représentation accrue des voix des communautés reflétant la diversité. Juste par souci de clarté, Nathalie, oui. Les éléments créatifs, cette dimension-là n'a pas de point spécifique. Donc, c'est vraiment un élément qui est regardé, mais il n'y a pas de points qui sont vraiment requis, là, qui sont distincts pour cet élément-là. Super. À toi la suite, Mireille, avec la prochaine diapo. Absolument. Donc, le programme autochtone. Certains, en fait, cette année, on a la chance d'avoir une collaboration très spéciale avec le Bureau de l'écran autochtone. Et il jouera un rôle important dans l'administration du programme autochtone, notamment dans le processus de sélection des jurés et le processus de sélection des projets. Donc, ils seront présents avec nous tout au long des processus là, pour ce programme sélectif. Également, il y a eu des changements dans la grille d'analyse. Donc, je vais vous parler de ce qui est écrit là, mais je vais d'abord vous parler de ce qui est important pour le marché de langue française et le marché, en fait, beaucoup qui est au Québec, les communautés du Québec. Au niveau de la langue, il y avait certains enjeux parce que, évidemment, dans les critères d'admissibilité, on s'attend à ce que tous les efforts soient mis de l'avant pour qu'un maximum là, de langues autochtones soient présentes dans les projets. On parle d'un minimum de 20 % au meilleur lorsque c'est possible. Et dans la grille d'évaluation, on avait des points supplémentaires au-delà du 20 % qui étaient accordés pour les projets qui arrivaient à avoir un pourcentage de langues autochtones plus élevé que 20 % Dans le marché de langue française, ça posait problème parce que certaines langues ne sont plus parlées. Par exemple, si je pense à un projet pour les jeunes et que les jeunes eux-mêmes ne connaissent pas encore, sont en train de réapprendre leur langue, c'était difficile d'avoir des points dans la grille à cet effet. Donc, on permet maintenant dans la section objectifs du programme, si vous nous démontrez comme producteur que ce n'est pas possible d'avoir au-delà du 20 % requis comme admissibilité, à ce moment-là, si vous nous le démontrez par écrit, on pourra évaluer pour cette section-là l'ensemble sur le degré de contrôle, en fait, sur l'autre portion qui est évaluée dans les objectifs du programme. Donc, ça, c'est pour cette
question-là. Également, on a la section qui est liée à la diversité. On n'avait pas de points qui étaient accordés l'an dernier, mais cette année, on a décidé de mettre un peu à jour pour pouvoir refléter la diversité autre que celle liée au fait d'être autochtone. Donc, la diversité de toute part peut avoir des points. Donc, c'est pour refléter l'intersectionnalité, en fait. Donc, voilà pour le programme autochtone. Et si je veux parler du programme en poursuivant sur le programme pour les communautés racisées, destinées aux communautés racisées, donc le même pointage sera maintenant évalué dans la grille. Donc, c'est-à-dire, on va refléter l'intersectionnalité lorsqu'il y en a par des points additionnels. Et le programme, comme vous l'aurez vu ou lu, n'utilise plus le mot pilote. Donc, c'est un programme maintenant qui s'appelle programme destiné aux communautés racisées. Donc, un programme qu'on considère permanent et non pilote. On a également eu d'autres changements plus importants. Si on regarde la suite, au niveau de la mesure incitative pour la production de langue anglaise en milieu minoritaire. Donc, plusieurs changements. Si vous avez des questions, vous pourrez contacter l'administrateur des programmes si vous avez des questions spécifiques. Mais globalement, dans cette mesure-là, on a changé la répartition à la première date limite. On a jusqu'à 75 % du budget qui sera disponible à la première date limite de dépôt des demandes. Et il y a comme deux catégories. Il y a deux catégories de requérants. On a les requérants qui ont en fait la très grande majorité de leur production de langue anglaise en production et en développement. On va regarder les 4 dernières années pour faire cette évaluation-là. Ces producteurs-là pourront obtenir jusqu'à 25 % des dépenses admissibles ou 600 000 pour les longs-métrages dans le genre dramatique ou 900 000 pour les autres projets. Donc, en fait, c'est les mêmes, c'est en fait c'est le plus, c'est le maximum des deux, donc soit 25 % ou le montant en dollars. Et dans la première date, donc je disais qu'il y avait 75 % qui étaient réservés, il y a 50 % de ces 75, donc 37,5 % ou 50 % de la première date qui est disponible et réservée au minimum pour ces requérants. L'autre portion est réservée, pas réservée en fait, l'autre portion est disponible pour tous. Et les autres producteurs, bien, c'est vraiment les producteurs qu'on avait toujours dans le programme et qu'on veut garder, qui sont vraiment essentiels à la vitalité là, de la production de langue anglaise avec des projets en langue anglaise, mais leur portfolio de projets n'est pas nécessairement là, presque 100 % en anglais, mais c'est bien une variété. Et pour ces requérants-là, jusqu'à 15 % des dépenses admissibles, mais les mêmes montants s'appliquent et ils auront, c'est ça, pas plus de la moitié là, de la première date limite. Et à la deuxième date limite, bien, en fait, tout le monde aura accès au même titre à cette deuxième date ou aux dépenses disponibles à la deuxième date limite. Donc, voilà, j'espère que je ne vous ai pas mélangé plus qu'autre chose. On peut poursuivre avec le programme, en fait, pour les projets de langue française en milieu minoritaire. Ce programme, en fait, on a fait des petits ajustements. L'année dernière, on avait rendu le programme première vue, premier servi. C'était une première étape. Et on a fait des ajustements pour refléter, en fait, pour maintenir aussi le volume de production de ces producteurs. Et lorsqu'une coproduction avec un requérant qui ne serait pas admissible au programme, donc les conditions suivantes vont s'appliquer. Les montants de la contribution maximale seront ajustés en fonction de la propriété des droits d'auteur du requérant qui est admissible. Donc, par exemple, un projet qui globalement aurait droit à 1,4 million, une dramatique, 1,4 million, s'il est en coproduction, il ne pourra jamais accéder au maximum. Ce sera vraiment réduit dès le départ selon le droit de propriété de chacun des partenaires et vraiment, c'est la propriété du partenaire qui est, en fait, du requérant qui est admissible au programme qui pourra avoir le financement à hauteur plus faible. Et dans le cas, si on avait une demande excédentaire, on avait l'an dernier ajouté une grille d'évaluation qui était possible, qui ne sera pas nécessairement utilisée, mais si on devait utiliser cette grille d'analyse pour dans le cas d'une vraiment qui est vraiment beaucoup, beaucoup de demandes, on aurait, au lieu d'avoir 100 % sur les éléments créatifs, l'évaluation serait à 75 % sur les évaluations
gestion du créatif et 25 % sur l'intérêt du marché. Donc, on a un petit peu équilibré un petit peu différemment le tout. Donc, on peut poursuivre avec les autres changements au programme. Donc, on est vraiment très fiers d'avoir gardé une oreille attentive et puis poursuivi les discussions avec les différents partenaires concernant le documentaire. Et on a continué d'ajuster là, pour le documentaire certains éléments, dont l'exigence seuil. En fait, l'an dernier, on avait introduit un montant en dollars pour chaque heure qui était de 60 000 $. On a étendu en fait cet élément-là pour les projets de long métrage. Donc, si on parle du programme POV, le long métrage documentaire, sans tenir compte d'aucun budget, aura pour avoir une exigence de 60 000 par heure ou 10 % des dépenses admissibles, donc le plus petit des deux. Et la même chose s'applique là, pour les programmes des enveloppes des télédiffuseurs, le programme de financement destiné aux communautés de langues officielles en situation minoritaire, ainsi que les productions régionales là, qui ont tous les mêmes exigences seuil. Donc, le documentaire aura un 60 000 qui est possible comme exigence, pour permettre d'avoir des budgets plus importants. En fait, c'est ça l'objectif, c'est de permettre de ne pas être un obstacle à l'obtention de plus de financement pour les documentaires. Puis on espère que ça va continuer de faire, d'avoir une belle répercussion. On a vu des changements l'an dernier, on était très contents. Donc, si on poursuit toujours avec des changements, d'autres changements, le long métrage documentaire qui, en fait, utilisait en développement, pouvait créer une démo ou, en fait, une maquette qui était, qu'on disait, non diffusable. Oui. Mireille, excuse-moi, si tu as dit le long métrage documentaire, c'est plutôt le métrage documentaire. Oui, le métrage documentaire, merci. Donc, en fait, les démos de courte durée qui utilisaient du métrage. Donc, ces démos-là, elles pourront maintenant, le métrage pourrait être utilisé en production. On avait eu beaucoup de demandes à cet effet-là. C'est certain qu'en documentaire, dans le cadre de la recherche, parfois on a des personnages intéressants et ça ne faisait pas de sens de ne pas diffuser ou ne pas pouvoir l'inclure en production. Donc, ce sera possible. Par contre, le FMC ne pourra pas payer ces dépenses-là deux fois. Donc, ce sera des coûts qui pourront seulement être vus une seule fois par les budgets du FMC. Ensuite, dans les programmes premier arrivé, premier servi en développement, les frais de déplacement. Donc, les frais de déplacement pour les productrices et les producteurs, ils pourront maintenant être dans la section B plus C du devis. Donc, on autorisait d'habitude les frais de déplacement comme pour tous les autres genres dans la section A avec les cachets de producteurs et productrices. Mais cette fois, on le permet dans la section B plus C pour refléter là, une réalité bien spécifique pour le documentaire. On a également les autres postes qui sont occupés par des producteurs dans leurs projets. Souvent, un producteur en documentaire va avoir plusieurs chapeaux et le plafond là, des honoraires producteurs et frais d'administration était très limité, très serré pour pouvoir se payer suffisamment. Donc, on autorise maintenant que ces divers postes peuvent être exclus du plafond. Bien entendu, les images demeurent l'essentiel, donc on ne s'attend pas à avoir plus de postes occupés par des producteurs que d'images. Alors, si on poursuit avec toujours en fait des éléments dans le contenu linéaire, on a le long métrage dans le genre dramatique. Les longs métrages dans le genre dramatique vont avoir, en fait, on va essayer de contenir, parce qu'on a vu dans certains programmes, pas tant dans le marché de langue française, mais on a vu certains programmes qui avaient beaucoup plus de longs métrages documentaires dans le genre dramatique. Et on veut s'assurer qu'on garde un équilibre. Donc, jamais plus de 35 % là, des budgets d'un programme là, pourrait être alloué pour les longs-métrages dans le genre dramatique. Donc, ça va nous permettre de s'assurer là, qu'on garde un œil et qu'il y a toujours un équilibre dans les différents formats. Et pour les programmes de développement qui sont première vie, premier servi, on en a plusieurs. Il y avait différents pourcentages. On a essayé de simplifier puis de garder les éléments
commun. Donc, la plupart, à l'exception là, de la mesure incitative pour les projets nordiques, la plupart des programmes sont uniformisés et puis on peut avoir jusqu'à 75 % des dépenses admissibles du projet jusqu'à 100 000 $. Donc, on a baissé quand même le plafond par phase. Donc, vous pouvez revenir pour plusieurs phases. L'ensemble ne peut pas dépasser 200 000, mais par phase, on l'a limité à 100 000 $. Pour ces programmes là, qui sont plus spécifiques en développement. On peut poursuivre. Alors, le prochain programme, c'est le programme de diversité linguistique. Donc, pour les productions qui sont dans d'autres langues que le français, l'anglais ou les langues autochtones. Le programme était un programme sélectif. Ce sera désormais un programme qui sera sous la forme d'enveloppe des télédiffuseurs. Donc, les télédiffuseurs canadiens qui déclenchaient des projets dans ce programme-là au cours des dernières années ont maintenant une enveloppe spécifique pour pouvoir déclencher les projets qu'ils souhaitent voir sans qu'il y ait un regard là, sur le contenu par le FMC. Les enveloppes, ces enveloppes-là, en fait, la façon dont ils ont été calculés, c'est qu'on a regardé le rendement historique au cours des 5 dernières années pour déterminer le montant de l'enveloppe de chacun de ces télédiffuseurs-là. Évidemment, il y a toujours des nouveaux télédiffuseurs qui s'ajoutent au fil des années. Donc, ceux qui n'ont pas eu accès au programme dans le passé pourront quand même avoir un accès si jamais il y avait des projets à déclencher. Il y a ce qu'on appelle un accès parallèle. Donc, n'hésitez pas là, s'il y a des nouveaux diffuseurs qui n'ont pas eu d'argent du FMC dans leur projet au cours des dernières années pour la diversité linguistique à accéder à ce programme via l'accès parallèle. Et par ailleurs, le plafond de contribution du FMC demeure toujours à 200 000 $ par projet admissible dans ce programme-là. Prochaine diapo, merci. Prime pour la production régionale de langue anglaise, donc qui s'adresse en fait aux provinces autres que le Québec. Donc, la production régionale, la production en anglais au Québec ne fait pas partie de ce programme-là. Par contre, c'est intéressant de connaître les paramètres si jamais vous coproduisez avec des partenaires d'autres provinces. On va limiter l'accès. En fait, comme vous le savez peut-être, là, c'est un programme qui est en immense demande excédentaire, probablement un des programmes qui a la demande excédentaire la plus importante avec certains autres programmes, mais quand même, celui-là l'est de façon, je dirais, presque spectaculaire. Donc, on a mis des mesures un peu pour limiter les productions internes et les productions affiliées à un télédiffuseur. Les requérants qui ont des productions de ce type ne pourront présenter qu'un seul projet par année. Et on a mis un plafond de 15 % des fonds du programme qui pourra être versé à des projets de production interne ou de production affiliée. Alors, aussi, dans ce programme, on va calculer notre contribution en incluant dans nos calculs les crédits d'impôt à 90 % de leur valeur. Ça ne veut pas dire qu'on exige que les producteurs mettent 90 % de leur crédit d'impôt dans la structure, mais nous, pour déterminer le montant qu'on va contribuer au projet, on va faire le calcul de les inclure pour s'assurer que ce soit équitable, en fait, envers tous les projets, parce que certains incluaient 90 % déjà de leur crédit d'impôt, d'autres incluaient zéro, mais demandaient un plus gros montant au FMC. Donc, pour s'assurer d'avoir une équité envers tous les programmes, pas envers tous les programmes, mais envers tous les projets, c'est ce qu'on va faire. On le faisait d'ailleurs dans d'autres programmes sélectifs, donc on l'étend à ce programme de prime pour la production régionale de langue anglaise. Au niveau maintenant des programmes de contenu de médias numériques interactifs, il n'y a pas énormément de changements cette année. Du moins pour l'instant. Gardez l'œil ouvert parce qu'il y aura certainement des choses, des nouvelles, en fait, au cours des prochains mois pour bonifier les programmes qu'on offre pour la média numérique interactive. Mais un changement qu'on a fait cette année, c'est dans le programme d'innovation et d'expérimentation. On a un peu clarifié que l'évaluation de l'innovation ne se fait pas uniquement sur l'innovation technologique.
L'innovation dans la forme, dans le contenu, dans l'histoire est aussi considérée dans, dans notre appréciation de l'innovation, en fait. Je pense que c'est quand même un élément qui était dans la pratique, en fait, mais on l'a clarifié au niveau des programmes pour que tout le monde comprenne bien que l'innovation n'a pas à être que technologique. Oui, tant mieux s'il y en a, mais l'innovation dans la forme, le contenu et l'histoire sont aussi importants et font partie de notre évaluation. Prochaine diapo. Alors, on a d'autres changements concernant les politiques. L'intelligence artificielle, que dire sur l'intelligence artificielle? En fait, on a établi des lignes directrices qui sont sommaires, mais on veut commencer à pouvoir échanger ou en tout cas encadrer là, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce qui est important à comprendre, c'est que l'utilisation de l'intelligence artificielle générative peut être sujette à des droits d'auteur. Donc, on veut s'assurer que les projets aient libre accès aux droits sous-jacents. Donc, c'est une conscientisation, je dirais, avec cette première étape. Et à l'étape des coûts finaux, on va demander aux sociétés de production de déclarer s'il y avait de l'intelligence artificielle générative utilisée dans le cadre du projet, d'en faire une déclaration. Ce sera un document à fournir. Il n'y en a pas dans tous les projets, mais pour ce type d'intelligence artificielle, on considère que c'est important là, de demeurer transparent, responsable et puis d'avoir une collaboration là, avec l'industrie pour trouver notre positionnement dans les prochaines années. Donc, voilà. Ensuite, pour les politiques, en fait, relatives aux honoraires producteurs et frais d'administration, on en a parlé un peu tout à l'heure en abordant le sujet du documentaire. On a fait d'autres changements. En fait, les changements qui sont liés aux honoraires qui sont versés à des producteurs qui détiennent des droits de propriété dans les sociétés de production. On a ajouté en fait le fait que tous les détenteurs qui ont plus de 10 % sont sujets à être inclus dans le plafond. Peuvent être inclus dans le plafond si on le souhaite, mais je veux dire, on ne va pas l'exiger si ce n'est pas en deçà de 10 %. Voici pour cet élément-là. On peut poursuivre. Et on a suivi un petit peu les tendances des augmentations, des budgets de production. Tout le monde est bien au courant. Donc, le plafond pour maximum là, pour les projets en termes d'honoraires producteurs, frais d'administration, passe de 2 millions à 2,5 millions. Là. Donc, c'est quand même une augmentation là, qui suit quand même de ce qu'on a vu, là, l'évolution de l'augmentation des devis. Et concernant les pourcentages, en général, on a un 20 % et on avait quelques exceptions. L'exception pour les petits budgets qui était que les petits budgets pouvaient aller chercher jusqu'à 30 % d'honoraires producteurs frais d'administration. Maintenant, on ouvre un peu plus avec les documentaires uniques, donc que ce soit des documentaires d'une heure ou de long métrage. Les documentaires pourront aller chercher jusqu'à 30 % d'honoraires producteurs frais d'administration. Et ainsi, on a aussi également élargi pour les producteurs qui sont basés dans les territoires au nord qui étaient admissibles pour la mesure incitative nordique. Même s'ils ne viennent pas chercher la mesure incitative nordique, on ouvre un petit peu pour qu'ils puissent avoir accès également. On comprend que c'est beaucoup plus difficile de travailler dans ces régions et le 30 % est une forme de reconnaissance. Là, puis on espère que ça pourra aider un peu plus ces producteurs là, situés dans le nord. Voilà pour ça. On a des changements au niveau de l'utilisation là, de Persona ID. Donc, Persona ID on l'utilise beaucoup. Les producteurs qui déposent le savent très bien. Le numéro Persona de certains personnels est souvent requis pour des pointages ou pour avoir accès à des mesures particulières. Donc, on a un peu plus encadré. Donc, un utilisateur qui a un numéro ou qui a un compte Persona pourra à son choix décider d'annuler ou de supprimer ce compte-là. On a une adresse en fait courriel que vous pouvez aussi consulter sur le site du FMC, mais l'adresse c'est ENR, donc pour comme lorsqu'on s'inscrit dans le fond à Téléfilm, ENR@téléfilm.ca. Donc, vous pourriez
supprimer le compte, le cocher en. Et pour plus de transparence, là, je pense que l'élément le plus important à souligner, c'est qu'un numéro d'identification personnelle qui est utilisé dans une demande, dans le cadre d'une demande de financement, enverra un message au propriétaire de ce numéro de compte personnel aidé, un message par courrier électronique, le courrier qui a été utilisé pour ouvrir le compte. Et ça permettra de savoir quel est le titre, le numéro de la demande pour laquelle le numéro a été utilisé. Donc, je pense que ça sera bien utile pour les membres de personnalité là, qui sont dans ces projets-là, de voir où leur numéro est utilisé. Donc, voilà pour les changements qui sont liés à tous les programmes et on peut passer, Nathalie, à la oui. période de questions. Ben, en fait, peut-être juste avant la période de questions, oui. Je voulais ajouter quelques éléments. Mireille en a fait rapidement allusion au départ. Pour le programme de soutien au développement de l'industrie, il devrait y avoir d'ici les 2 prochaines semaines sur notre site Internet une vidéo qui aurait été produite par l'équipe de croissance et d'inclusion qui est responsable de ce programme-là pour expliquer les changements qui ont eu lieu ou bien expliquer en fait le programme. Donc, d'ici une semaine ou deux, là, vous devriez avoir ça dans les deux langues dans notre site Internet. Comme je le disais, il y a certains programmes qui vont être développés en cours d'année, donc je vous invite fortement à vous inscrire à notre infolettre qu'on publie à toutes les 2 semaines sur notre site Internet. Donc, abonnez-vous sur notre site Internet pour avoir accès et recevoir cette infolettre-là avec toutes les mises à jour qu'on fera en cours d'année. Regardez bien les dates de dépôt. Il y a certains programmes qui ouvrent très bientôt, donc c'est important de regarder ça. Aussi, si vous avez des questions spécifiques par rapport à vos projets, sur son admissibilité ou sur des choses que vous ne comprenez pas dans les paramètres ou dans les documents à soumettre, n'hésitez pas à vraiment profiter du service de consultation pré-application qui est offerte par l'administrateur des programmes du FMC à Téléfilm Canada. Les analystes, les directeurs délégués avec qui on collabore à tous les jours, en fait, vont se faire un plaisir de vous aider. Ils font un travail extraordinaire. On compte sur eux. On est très contents de les avoir avec nous. C'est vraiment eux qui sont aux premières loges avec vous. Donc, n'hésitez jamais à les contacter. Ils sont là pour vous aider. On va continuer, comme je le disais au départ, à faire évoluer, en fait, les programmes du fonds au cours des prochaines années. On va continuer à vous consulter aussi pour l'amélioration des programmes. Il y aura cette année dans les consultations un focus important sur les émissions enfants-jeunesse. C'est vraiment un genre qui reçoit de moins en moins de soutien du FMC. Ça nous préoccupe beaucoup. Donc, on va vraiment collaborer avec vous, avec les partenaires clés, en fait, pour s'assurer que dans le futur, on offre des outils mieux adaptés pour la production jeunesse, la production d'animation. Donc, vous allez recevoir de nos nouvelles incessamment là, pour qu'on puisse discuter avec vous. On va continuer aussi à améliorer nos outils qu'on offre pour le documentaire. Donc, ça va être les principaux focus avec plein d'autres choses, évidemment, comme toujours, mais vraiment avec une approche spécifique. Voilà pour les changements. Pour les questions, je vous rappelle, dans la section Q&A, je vois qu'il y en a déjà quelques-uns, donc on va commencer tout de suite. Pas de questions spécifiques à des projets. Encore une fois, allez voir l'administrateur des programmes du FMC. Peut-être qu'on ne sera pas capable de répondre à toutes les questions. Il y en a déjà plusieurs et le temps file. On va faire de notre mieux. Si jamais on ne répond pas à votre question, on a accès, en fait, même après le webinaire, à ces questions-là et on va pouvoir vous répondre. Vous pouvez aussi contacter l'administrateur des programmes à l'adresse que vous voyez à l'écran, donc cmf.fmc.coordination@telefilm.ca. Donc, vous pourrez envoyer vos questions auxquelles on n'aura pas répondu si c'est le cas. Donc, voilà. Alors, nous commençons oui. avec les questions. Je la ventilation... Que... Oui, vas-y. Oui, pardon, vas-y.
En fait, la ventilation du budget, oui, elle est disponible sur le site Internet. Là, je ne l'ai pas devant moi, mais quand vous cliquez dans les programmes, puis vous cliquez sur « Programme », je pense que c'est là que ça se trouve. Peut-être, Mireille, tu as plus de précision, mais on pourra t'envoyer le lien, on pourra mettre le lien. Puis je vois dans la question, en fait, qu'on parle du volet idéation. Fait que peut-être qu'on pourra faire un retour par la suite pour cette question-là. Merci beaucoup. Je vois une question concernant le programme, le PLFME, le programme de langue française en milieu minoritaire. Donc, je peux répondre à cette question. Merci. Donc, on nous demande qu'est-ce que signifient exactement les projets ayant bénéficié d'un soutien au cours de l'exercice précédent qui ne sont pas admissibles? En fait, ce qu'on veut dire, c'est que si vous avez, par exemple, en 2023-2024, reçu de l'enveloppe de rendement d'un télédiffuseur pour votre projet, et à ce moment-là, vous ne pouvez pas revenir pour l'année qui s'en vient, qui est en train d'ouvrir pour venir au premier arrivé, premier servi. Donc, c'est pour des nouveaux projets, mais par contre, là, des saisons 2, des saisons 3 sont toujours bien accueillis. On en a plusieurs qui font vraiment rayonner là, le programme. Donc, voilà, j'espère que ça répond bien à la question, Séverine. Je peux peut-être aussi poursuivre avec Alexandra Dubé. Qui a une question concernant les distributeurs. Si un distributeur est une compagnie liée, est-ce qu'il peut contribuer à l'exigence seuil? Oui, absolument. Cependant, c'est important de voir, dépendamment, là, je ne sais pas de quelle compagnie on parle, mais de voir que le distributeur est un distributeur canadien admissible et de contacter l'administrateur des programmes pour le vérifier et faire répondre aux questions là, qui sont requises là, pour ce processus-là de certification. Il n'y a pas de liste qui sera disponible, mais l'équipe est préparée là, à vous accueillir puis à répondre à vos questions là, à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à les contacter. La prochaine question, en fait, on veut savoir, c'est au niveau du doublage, puisque maintenant le programme de doublage et sous-titrage n'est plus offert et on vous permet de mettre en fait les dépenses de doublage dans vos budgets de production jusqu'à un certain pourcentage ou un certain maximum. Et la question est en fait de savoir si on doit avoir un distributeur pour inclure ces dépenses de doublage-là ou si un diffuseur nous demandait de les inclure, est-ce que ce serait acceptable? Réponse est oui, Mireille. Hein? Oui, oui, absolument. La réponse, c'est oui, parce qu'en fait, l'idée, il y a deux sections, dans le fond. Les dépenses de doublage, si vous avez un distributeur à l'international qui exige là, votre version en anglais parce qu'il y a déjà des pressentis de certaines ventes, c'est toujours possible de le mettre là, dans le budget. La section qui est liée aux frais de mise en marché, qui est limitée à un pourcentage là, des dépenses, cette section-là, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux producteurs, si c'est possible, d'avoir jusqu'à 90 minutes là, du projet doublé ou sous-titré pour permettre la mise en marché à l'international. Donc, c'est c'est pas un bon français, mais un teaser, permettre là, d'avoir un certain volume là, qui est disponible pour les acheteurs potentiels. Et par la suite, eh bien, ce sera au distributeur de faire ça. Hein, ce sera des dépenses de distribution. Donc, je pense que ça va aider un petit peu pour permettre là, ça à l'international. On a une autre question. Je te laisse, Nathalie, regarder la prochaine. Oui, sur le plan, on demande dans le volet expérimental qu'il y a des nouveaux formulaires sur le plan d'engagement avec la communauté et un plan de durabilité et quelles sont nos attentes à cet égard-là. En fait, on veut comprendre comment quand vous traitez en fait de sujets liés à des communautés sous-représentées, en fait, comment vous êtes lié au sujet que vous abordez, en fait? Comment on va vous assurer d'avoir en place des mécanismes ou des activités qui vont vous permettre de bien respecter, en fait, les communautés avec lesquelles vous participez, en fait, dans l'histoire que vous voulez raconter?
Absolument. Puis je pense que pour, c'est peut-être pour répondre plus en détail, parce que la question, elle peut être vaste. Je pense que c'est une question vraiment qui devrait être soumise à la coordination à Téléfilm, donc à l'adresse courriel que vous voyez à l'écran, qui pourront vous, ils pourront vous aiguiller un petit peu plus sur selon le type de projet, qu'est-ce qui peut être fait. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Je pense que c'est ce qui est de plus sage dans les circonstances. Exact. Concernant l'intelligence artificielle générative, à quoi s'exposent les compagnies qui ne déclareraient pas l'usage de cette intelligence artificielle-là dans leur projet? En fait, il n'y a pas de conséquences en tant que telles. C'est pas, en fait, on cherche à mieux comprendre en fait l'utilisation de l'intelligence artificielle. On cherche à apprendre quels sont ses impacts et tout ça. Donc, il n'y a pas de conséquences négatives à ne pas le faire. Je pense que c'est une collaboration qu'on veut développer avec l'industrie pour mieux comprendre où ça s'en va et de voir s'il y a des paramètres à imposer éventuellement ou pas, peut-être que non, mais pour faire ça, il faut bien comprendre qu'est-ce qui existe dans le milieu. Et c'est pour ça qu'on demande de déclarer à la fin, quand vous allez fermer vos dossiers, de nous dire en fait comment l'intelligence artificielle générative a été utilisée. Il y aura un formulaire qui sera très précis là, sur ce qu'on veut. Évidemment, tout ne sera pas nécessaire à déclarer. Là. L'intelligence artificielle est pas mal partout, mais il y aura spécifiquement des choses qu'on vous demandera. Mais ça sera en phase 2 pour les projets qui seront financés à partir de cette année. Donc, les projets qui sont déjà en cours, il n'y aura pas cette exigence-là. Si vous voulez le faire, tant mieux. Là, ça nous aidera à comprendre plus vite parce qu'on aura déjà une longueur d'avance sur des projets du passé, mais il n'y aura pas de conséquences en tant que telles. Mais on souhaite que vous nous aidiez à mieux bâtir notre compréhension de l'intelligence artificielle et de son utilisation. Merveilleux. On a vraiment beaucoup de questions. Oui, j'essaie de oui. faire un petit, petit survol des sujets. Je pense que je vais rapidement répondre pour une question concernant encore le programme de langue française en milieu minoritaire. On me demande si une co-entreprise là, serait admissible. La réponse est non, parce qu'en fait, dans l'admissibilité pour être admissible au programme, dans le fond, les requérants doivent être tous basés à l'extérieur du Québec depuis au moins 3 ans. Donc, si c'était une co-entreprise et que certains actionnaires sont au Québec, ce ne serait pas possible. Donc, voilà pour cette question, je crois. Mireille, est-ce qu'on sait à quel moment les documents vont être disponibles pour les dépôts? Incessamment. Donc, il y a des petites corrections qu'on a apportées tout récemment. Donc, ceux que je vois, le programme autochtone POV, ils s'en viennent. Donc, ce sera vraiment dans les prochains jours. Là, si ce n'est pas demain, lundi, ça devrait être fait. Donc, regardez. Puis, si vous voulez écrire à l'administrateur des programmes, peut-être qu'il pourrait vous répondre là, lorsque ce sera prêt. Donc, voilà. Donc, ce sera bientôt disponible, très, très bientôt. Est-ce qu'en documentaire unique, il y a une façon d'avoir une aide du FMC sans télédiffuseur, mais seulement un distributeur? La réponse, c'est non, en fait, pour cette année. Vous pouvez déposer un projet au programme de documentaire d'auteur unique sans avoir un télédiffuseur à la base. Il y a quand même certains critères. Là. Vous devez avoir un certain pourcentage, peut-être 15 % Mireille, de votre financement en place d'une partie tiers. Oui. Mais avant qu'on puisse officialiser notre participation et signer un contrat, vous allez devoir trouver un télédiffuseur. Donc, voilà pour cette réponse. Oui. Donc, je vois une question concernant les incitatifs pour les enveloppes des télédiffuseurs. Je vous inviterai à aller consulter sur notre site le manuel qui est disponible pour les télédiffuseurs. Toutes les informations y sont, donc vous aurez plus de détails. Là. Ça répondra probablement bien à votre question. Ce que je vois également une belle question de Michel à Radio-Canada. Donc, pour le PLFMM, s'il y avait un sélectif, est-ce qu'on comprend qu'il y aurait plus de points pour les licences de télévision? Donc, oui, l'intérêt du marché sera considéré. Donc, ce sera une possibilité qui compte pour un 25 %. Donc, ça a été un peu rétabli là, au niveau de l'équilibre. Mais comme je disais, on ne va pas nécessairement en faire un.
Donc, c'est en cas de demande vraiment sévère excédentaire où on pourrait le considérer. Donc, voilà. Pourquoi il y a une exception pour les programmes anglophones en milieu minoritaire d'avoir le financement d'une année précédente, mais pas dans la langue française en milieu minoritaire? Il n'y a pas d'exception. En En fait, fait, les projets des années précédentes ne peuvent pas avoir du financement dans une deuxième année, à moins qu'il y aurait des épisodes supplémentaires, là, des cycles scindés, mais c'est la même règle dans les deux programmes. Absolument. Est-ce que le programme pour un ensemble de projets en développement existe toujours? Pour l'instant, il n'est pas publié, mais c'est notre intention, en fait, de le renouveler à l'automne. Donc, raison de plus de bien nous suivre avec notre infolettre, puis les réseaux sociaux, puis de vous abonner à notre site Internet pour pouvoir voir à quel moment ça sera disponible. Ensuite, je suis consciente de l'heure aussi. On a déjà dépassé un petit peu. Il y a encore quelques questions, malheureusement, auxquelles on ne pourra pas répondre, mais on a vos coordonnées, sauf ceux qui se sont inscrits comme des participants anonymes, là. Malheureusement, on ne pourra peut-être pas vous aider. Mais comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller poser vos questions à l'administrateur des programmes, à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran en ce moment. On vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui. J'espère qu'on a réussi à clarifier certaines de vos interrogations. Comme je vous le dis, on va être en contact avec l'industrie au cours des prochains mois pour continuer à améliorer nos programmes. On vous souhaite une bonne journée. On vous souhaite des beaux projets. On a bien hâte de les recevoir et de les voir. Alors, merci. Merci beaucoup. Yeah. On va attendre. Peut-être qu'on peut se reconnecter sur Teams. Oui, absolument. Merci. Merci. Au revoir. Bye. Great job, guys. Bye. Thank you.